c'est un podcast qui se lance le défi de parler d'une seule affaire le plus longtemps possible. Et ce soir, ça va être absolument impossible parce qu'il se passe beaucoup de choses. D'une part, mon image est pleine de grains. D'autre part, je suis en colère. Et d'autre part, nous recevons Pascal Cameron pour un parle-moi pas sur, entre autres, la course. Oui, la course à pied. Oui. Yeah! Parle-moi pas sur la course à pied! Bravo! Merci d'être là, Pascal, et d'avoir suggéré ce plan. C'est un plaisir. Pour vrai, j'avais bien à faire dans mon horaire, mais je vous ai trouvé un petit trou, là. C'est vrai? Comment? Ouais. Ça m'appmonde. Il y a fuck out dans les horaires de personne. Là. On a juste ça de la place. C'est hot. Ah, OK, c'était l'ironie. Oui, c'était l'ironie, en fait. C'était de la grosse ironie. J'essaie de rester habile. Je pensais que tu faisais du glorification of busy. Ah, c'est pas vraiment mon genre, ça. C'est pas mon genre de... Oh, tu sais, le monde qui font comme j'ai travaillé 60 heures semaine, c'est ça faire ces gens-là, là? Oui! Oui, mais d'habitude, ceux qui se vantent, ils vont dire plus d'heures que ça, quand même. Le 60, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas encore assez pour être rock. Mais c'est surtout les gens qui répondent à tout ce que tu dis, ils répondent « Ah, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps d'écouter ça, j'ai pas le temps de voir ça. » Moi, ces gens-là, ils me donnent tout le temps l'impression soit de pas être de ne pas comprendre leur capacité ou d'être très lent au travail. Je trouve pas, vraiment pas ça positif. Je trouve vraiment que c'est vraiment un défaut de faire comme j'ai rien de temps de faire que de travailler. J'ai comme, mais t'es prêt de faire ton horaire. C'est ça qui arrive. T'es juste cave. Mais bon, t'as bien raison. Je suis totalement d'accord. Puis là, avant qu'on tombe dans le sujet sur la course, là, on se parle toujours un peu avant qu'il s'enregistre. Mais là, on a tout de suite pédé sur REC. Parce que je voulais qu'on capte ce moment-là, parce que je trouve ça toujours le fun de prendre un peu de nos nouvelles, surtout présentement en temps de confinement. Et Catherine, tu parlais de ton grain, de tes potolaires insatisfaites, de l'image que ça donne, le zoom chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, là, c'est le genre de choses dont je me torche un peu, mais je sais que pour une personne qui nous regarde et qui s'est peut-être rendue jusqu'ici dans la vidéo, c'est plate. Mais ça, je me demandais, je questionnais, mon Dieu, je questionnais le nid d'araignée de ma tête. Mais c'est ça, au niveau de la sol, on est comme obligé d'être full technique. Puis moi, je ne maîtrise pas. J'ai une vieille lampe de l'avant-guerre, puis beaucoup de volonté. Mais je trouve que le zoom, c'est un gros le zoom, je trouve. On dirait qu'on n'est pas beau, puis que... Hein? Ben moi, être pas beau, je peux vivre là avec le fait d'être très, très laite, mais c'est ça, je comprends pas. Mais tout ça, hein, c'est comme des stress dont j'avais pas besoin de devoir gérer le grain. Mais en même temps, on s'en fout parce que moi, là, j'ai l'impression qu'on va parler de course 4 minutes, Pascal. J'espère que ça te dérange pas tant. Parce que moi, j'ai besoin de ventiler avec vous parce que moi, j'habite dans un bloc sur le plateau Mont-Royal de 8 appartements. Et cette nuit, en fait, j'ai appris juste avant d'enregistrer le podcast qu'un homme est entré cette nuit, donc dimanche soir, à 1h du matin, pour cambrioler ma voisine d'en dessous. Comme ça, tout le monde est en confinement. C'est dimanche soir, tout le monde est à la maison. À 1h du matin, toi, tu crochettes la serrure de la fille qui habite en dessous de chez nous, qui est morte de peur. Je suis morte de peur. Cet homme, finalement, n'est pas rentré parce qu'elle a pogné peur, mais elle a eu la présence d'esprit de mettre sa petite chaîne. Mais ces gens-là qui nous font peur, là, je ne sais pas à quoi il s'attendait, cet homme, premièrement, un dimanche soir où la ville entière est chez eux. Il y avait de la lumière. Moi, j'étais debout. Ma voisine, pas celle qui s'est fait cambrioler, mais une autre voisine était debout. On n'a jamais rien entendu. Ça me terrifie. Elle aurait pu se faire cambrioler, elle aurait pu se faire attaquer, puis genre figer, prendre peur, puis on aurait tout rien su, puis rien fait. Puis là, j'ai envie vraiment de me battre en ce moment. Et ce soir, je vais dormir avec un marteau et je suis prête. Come to me! Mais. En tabarnak des gens. J'arrive à avoir de l'empathie pour les gens qui sont obligés de voler dans les maisons pour vivre, mais là, on peut tous entendre qu'en temps de quarantaine, à 1h du matin, le dimanche soir, tu restes chez vous, vole dans les chars, vole dans les châteaux abandonnés, mais viens pas voler des gens qui sont déjà pétrifiés d'être chez eux. Puis on a trois livres, puis un repose-pied. Il n'y a rien à voler ici. Là. Mais là, les gens vont avoir peur pour genre 2 mois à cause de toi. T'as bien raison. Puis t'as eu beaucoup d'empathie parce que qui est obligé de voler?
Tu sais, ben, tu vas voler chez quelqu'un, mais tu vas pas voler de la nourriture, tu vas voler... Écoute, il y a plein de raisons, mais tu sais, des fois, tu peux être bien mal pris, puis tu peux être sous l'influence de toutes sortes de drogues, ou je sais pas, là, tu peux être obligé, des fois, pour survivre, de défoncer un char pour voler un iPhone, ça, je veux dire, c'est sûr, c'est pas cool quand ça t'arrive, mais je peux comprendre. Le programme du gouvernement, le PCU... Hein? Le PCU ne couvre pas les cambrioleurs. Non, mais, c'est ça qui arrive. Puis c'est ça, je suis vraiment fâchée, là. J'ai jamais été aussi prête à me battre. Mais dans Hochelaga, il y a comme des line-up devant les pawn shops où que les gens vont panner leur... On dirait que j'avais jamais remarqué ça avant la situation en ce moment. Mais le matin, il y a des gens qui attendaient devant le pawn shop pour aller chercher des affaires, du monde avec des sacs pour vendre des affaires. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent peut-être plus dans une grosse marde que nous, on l'est aussi en ce moment, là. Il y a comme... Puis... Mais c'est à chaque fois que j'ase avec le monde de cette espèce de pandémie-là, je me rends compte qu'on est juste super dépendant à l'économie mondiale en ce moment. Puis tout ce que les gens se plaignent en ce moment, c'est la peur de ne pas avoir d'argent, d'être emprisonné dans un système monétaire économique qui fait en sorte que si on n'a pas un minimum d'argent, on n'est rien dans la société puis on crève. Fait qu'il y a comme une dépendance à cet argent-là que je me suis comme rendu compte là, qui est comme juste pourquoi tout le monde. C'est pas la santé que les gens craignent le plus, là. C'est leur 2 000 $ qu'ils vont avoir à l'ARC, là. Il y a quelque chose de fou dans notre dépendance à cette cochonnerie-là. C'est peut-être juste Pascal, le socialiste de gauche, qui veut qui veut genre tuer l'économie mondiale puis essayer de pendre le gars d'Amazon par les testicules. Ben, c'est des beaux projets, ça, Pascal. C'est des belles prises de conscience, puis c'est des beaux projets. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi, je t'ai interrompu, mais il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de ce système-là dans lequel on est obligé de fonctionner. Puis peut-être que c'est la révolution après la COVID, là, je ne sais pas. Ben, moi, mon conseiller financier me dit que c'était le temps d'investir parce que les marchés étaient très bas. Mon planificateur financier m'a aussi conseillé d'attendre avant d'acheter. Moi, j'étais en plein magasinage pour m'acheter un condo. Là, puis il m'a dit, attends, loue-toi quelque chose pendant un an, puis attends, le marché immobilier va crasher, puis tu vas pouvoir acheter à super pas cher dans un an. Mais c'est ça, c'est pas que tu vas acheter moins cher, c'est que les gens vont en fait faillite, ils pourront plus payer le reste de bill, puis toi, tu vas payer moins cher, puis tu vas... C'est ça qui arrive, c'est qu'il faut faire de l'argent sur le malheur de quelqu'un qui vient d'en perdre. C'est weird. C'est une bonne nouvelle. Ben moi, là, si les baby-boomers peuvent tous mourir que j'achète leur condo avec des picadilles, je dis oui. Mais non, je suis pas d'accord avec le décès des vieux, mais c'est juste... Je pense que c'est ça qui est weird, c'est que l'argent est vraiment... À chaque fois que j'ai jasé avec des humoristes, tout ce que ça jase, c'est d'argent. Jase à des amis, ils se demandent si je vais avoir assez d'argent. Tu sais, il y a juste... C'est juste ça. C'est pas la pandémie, c'est l'économie, là. Mais il y a beaucoup de facteurs de stress. Je te dirais, là, en ce moment, dis-moi, il y a une minute, je me dis tout va bien aller, puis l'autre minute, je sais pas, moi, ça va être quoi en juillet, notre situation. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas à plaindre, puis je ne demande pas d'argent. Puis peut-être que je dormirai sous les ponts en juillet, je ne sais pas. Écoutez-vous les nouvelles, je pense qu'il faut arrêter d'écouter LCN. Je pense que c'est ça qui nous tue tous. En fait? Ben, je ne l'écoute pas vraiment. C'est ça finit par venir à nos oreilles parce que tout le monde relaie l'information de toutes. Mais non. Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai... Ah, merde! Attendez, je vais aller voir. Juste sortir dans la rue, genre... Moi, je me suis mis à regarder dans les fenêtres puis tout le monde a la... Tu sais, la petite pancarte, là, ça va bien aller. Oui. Comme si ça l'allait mal. Ben, mais c'est que ça va pas mal. Ben, ça va quand même un peu mal, là. Oui, mais c'est la fin du monde, là. Ah non, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on croit en ce moment. Là, t'as encore accès à l'eau courante à la maison. Ta vie est en ce moment encore mieux que 80% des gens sur la planète. Tu sais, c'est ça qui est con, c'est que ça va juste moins bien que ça l'allait. Et on a juste 44 billes dans notre sac au lieu de 50. Christ, ça va, là. Ouais. On essaye de nous rentrer dans la tête que ça va mal. T'es juste à la maison, puis il faut pas que tu tousses sur le monde. Calme tes ostinaires, puis juste fais la ligne pour t'acheter des œufs. C'est ça? Le slogan, ça va bien aller. Moi, ça veut juste me dire, OK, ça va mal. Là. Si on me rassure que ça va bien, ça veut dire que ça va mal. Mais ça va pas mal, c'est ça. C'est... Arrêtez de me dire que ça va bien aller. C'est juste, on est dans une passe difficile, plus difficile que ça allait, mais tout... le monde de la Rive-Sud, il a encore un spa et une piscine dans leur cours, là.
quand il va faire chaud, ils vont faire des longueurs. C'est pas si pire que ça, ta crise de vie. Là. Arrête, ça va bien. Ben, écoute, Pascal, c'est l'angoisse de la perspective de potentiellement perdre quelque chose. Dès que les gens risquent de perdre quelque chose, par exemple, dans la crise étudiante en 2012, quand les gens risquaient de perdre le privilège de faire le chemin en char sans être interrompus par des étudiants, ça les faisait chier. Fait que là, ils auraient eu besoin d'un « ça va bien aller » dans leur fenêtre. Parce que c'est ça, ils ont peur de l'incertitude, fait qu'ils s'accrochent à un arc-en-ciel. Comme ça, ils sont certains que le spa va être à sa place. C'est ça. Ils vont acheter local et ils vont être fiers d'acheter local. Il y a des groupes de partage de où acheter local en ce moment sur Facebook. Et c'est fascinant. Tout à l'heure, avec mes amis, on s'envoyait des demandes. Il y a des gens, il y a quelqu'un présentement qui cherche un tapis de yoga local. Local. Quelqu'un d'autre cherche une balançoire, un siège de balançoire local pour enfants de moi. Local. Tu sais, quand là, c'est rendu, c'est là que tu cherches, puis c'est là ton concert, puis tu passes, tu sais, des heures à chercher le banc local. Chris, achète tes hosties de brocoli, ton hostie de pain au coin où tu devrais aller l'acheter à chaque semaine, toute ta vie, achète local, puis comme fais ta part, comme tu aurais toujours voulu. Mais viens pas te vanter que tu achètes tes smells de Birkenstock, là. En tout cas, bref, moi, ça me... Non, mais tout ça devient weird, en fait, parce que c'est des affaires qui vont être très temporaires. Là. Quand le Walmart, après ça, on va pouvoir être à moins de 2 mètres de distance dans une grande surface, c'est fini, là, les bandes bébés locales, puis les suppositoires locales, puis le stérilet local fait par la madame. Et l'Africain local. J'adore les suppositoires locales. Ça existe-tu? Sûrement. C'est sûrement possible de le demander. Oui. Je vais le demander, je vais t'envoyer le lien, Catherine, sur une page ou sur un forum quelconque. D'accord. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Là. Je ne capote pas tant que ça parce que je continue à travailler. Je vais encore en studio à tous les jours. Puis la seule affaire qui a changé, c'est que mes enfants sont ici tous les jours. Puis c'est que je date plus. C'est la seule affaire aussi. Le plus gros de tous les changements de ma vie actuelle, c'est que je ne peux plus dater personne. Mmh. J'ai appelé ça la quarantaine. Alors, c'est très poétique, c'est très bien. Mais ça va être quand même fucked up quand la. Tu sais, c'est le printemps, là, comme les libidos sont vraiment high pitch au printemps. Là. Hey, ça va vouloir briser le 2 mètres de distance. Là. Ça va être intéressant à observer quand même. Quand on va avoir le droit de sortir, là, ça va frencher. Les standards vont être très, très bas. Là. Je pense pas qu'on frenche avant l'automne. Là. Il va y avoir du monde en tabarnak pour l'été. Non. Moi, je suis un positif naïf et cervelé. Alors moi, là, mon target, c'est les restaurants vont rouvrir en juin. Je lance ça comme ça. Ben, dans le meilleur des scénarios, c'est possible, mais c'est vraiment si on est très chanceux. Mais je crois ma bonne étoile. Mais en même temps, si on se tanne tout en même temps puis on sort dehors. Je pense qu'ils peuvent pas vraiment nous remettre en dedans. Tu sais, comme si on fait vraiment un mouvement de masse puis on décide qu'on touche tout le monde. Il y a comme l'armée peut pas. Fait que tu sais, si à un moment donné, on est toute tannée puis tous les 8 millions de Québécois sont dedans. T'es en train de nous suggérer une mutinerie contre le gouvernement? Garde, là, tantôt, je voulais tuer l'économie mondiale. Là, je veux au moins la mutinerie contre le gouvernement québécois. Je peux encore arrêter l'enregistrement. Il est pas trop tard. Tu me dis go puis je fais ce stop. Ah non, mais moi, je suis super bien là-dedans, là. C'est ça, c'est pour le monde qui date plus, là. C'est ça, toi, t'es pas tout seul, puis t'es matché, mais c'est ça, là. Mais je veux dire, tu sais, je pense qu'on peut attendre quand même avant de sortir la graine à l'air dehors tous ensemble aujourd'hui, là. Je pense qu'on peut encore attendre une couple de jours. Oui, t'es encore capable. Moi, je suis encore capable. C'est une question de sortir la graine à l'air. Je pense pas que t'es obligé d'être matché pour le faire. Je pense que je peux me le permettre aussi. Mais moi, j'en profite. En fait, je profite de ce moment-là pour me mettre en forme, me coucher de bonne heure, moins faire le party, moins boire d'alcool, puis m'entraîner plus. Parce que quand ça va rouvrir, tassez-vous, je veux être la plus belle pour aller danser. Ah, oh, ça, je suis fier de toi. Là, tu penses à ton prochain. Je suis d'accord que quand ça va ouvrir les bars puis les restos, ça va frencher partout. Quand on va me dire « OK pour la gouttelette », ça va voler ses murs.
Mais dis-moi, Félix, dis-moi, est-ce que tu zoomes-tu avec des gens ou est-ce que ou bon, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que quand... Non, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, sûrement. Mais est-ce que tu as des noms, est-ce que tu as des gens que tu vas rencontrer, vous allez vous garocher ou tu vas sortir en plein mystère? T'as-tu plein de rendez-vous avec des gens? J'aime beaucoup l'adlib, tu sais, sortir puis aller où le vent me pousse. Puis non, mais j'ai quand même... En fait, parce que mon malheur, là, c'est que le podcast avec Mike Ward que j'ai fait avec Arnaud Soli, je ne sais pas si vous l'avez écouté, il est sorti en plein confinement. Puis j'ai reçu plein de messages, plein de propositions, puis plein de dick pics, puis plein d'affaires épouvantables que je n'ai pas toujours demandé. Et oui... Puis là, j'ai des affaires on the side. Mon Dieu, le momentum, est-ce qu'il va passer, tu crois? Le momentum est à chier, mais c'est pas grave, parce que j'aime ça aussi sortir, puis croiser, puis rencontrer du vrai monde. Moi, des affaires virtuelles, je suis un peu tanné. Mais sachez que j'ai quand même fait 4 dates par FaceTime depuis le début du confinement. Mais rien n'a appris. Hein? Non, ben j'allais te demander, c'est-tu le fun? C'est le fun, il y a plein d'avantages à ça. Ouais. Puis c'est pas des affaires de nucu, là. J'ai pas fait de virtual sex, comment on appelle ça? C'est comme ça. Du sexe du futur. Ouais, j'en ai pas eu de ça. Du lendemain. C'est juste des rencontres sur Instagram ou Messenger, des gens qui m'écrivaient pour me parler du podcast avec Mike, entre autres. Ou d'autres choses, ou pas, là, peu importe. Puis là, parle, des fois, tu fais comme, il y a comme des affinités, ou tu développes quelque chose avec quelqu'un par écrit. Puis là, c'est le confinement, tu peux rien faire, on peut pas se voir, on peut pas aller boire un verre, on peut même pas aller marcher au bord de l'eau, tu sais, on fait rien. Puis moi, je respecte ça au bout. Fait que je donnais des rendez-vous à des gens par FaceTime. Ça te tente-tu? Demain soir, 9h30, on se fait un FaceTime. Puis tout le monde m'a dit oui, à date, puis ça donne des beaux échanges, tu sais, c'est... Il y a des avantages, des inconvénients. Ça dure une heure et demie. Ben oui, puis c'est le fun parce que ça coûte moins cher. Tu ne vas pas au resto, donc tu ne payes pas des bouffes de fou. Tu bois moins, fait que tu ne te mets pas à frencher et à le regretter le lendemain parce que tu es trop sur la brosse. Aussi, une affaire que j'aimais, c'est que tu te vois. Tu sais, comme là, je me vois, je peux gérer mon image. Moi, j'aime bien ça, être capable de voir de quoi j'ai l'air. C'est vrai, ça! La petite tête mauve te va super bien. Merci, j'aime ça. C'est bien calculé. Puis d'autres avantages, sinon, c'est plus court. Puis si t'es tanné, ben, tu peux prétexter, j'ai plus de batterie, puis tu raccroches. La connexion Internet est une excellente raison pour se sortir d'une discussion. Exactement. Mais il y a aussi des inconvénients. Là, le cadrage, pas tout le monde qui l'a. Il y a des gens qui t'appellent comme ça. « Salut, je suis content de te rencontrer. » Ouais, tu sais, c'est ça. Des fois, ça peut être un petit peu gênant. Mais ça passe vite. Puis aussi, c'est que tu vois pas les gens plein pied. Puis ça peut être c'est assez crise de dire à quelqu'un « Lève-toi, j'aimerais ça te voir le cul. » Ça s'est avec l'image. Ça s'est déjà entendu. Ça se demande. Oui, ça se demande. Fait que ça, j'en suis là. À suivre. Mais là, c'est très cool. Ouais. Mais là, avant qu'on tombe dans le sujet de la course, parce qu'il va bien falloir y arriver, juste revenir sur notre image. Là. Catherine, elle trouve que gérer le grain, c'est moyen, elle pas sûre. Pascal, toi, je te regarde, puis on dirait que tu es comme le plus clair de nous trois. Ouais. Je veux que qu'est-ce que tu as? J'ai une lumière, j'ai un spot là à gauche. Je suis bien éclairé. Je pourrais mettre un deuxième spot, mais je trouvais que c'était assez parce que là, ça l'image à 4 tellement pas bonne, je peux pas vraiment l'upgrader plus mon image. Ça va juste la. L'outshine un peu trop. C'est vraiment là. Bon et fluide. Ben non, en fait. Très fluide. Par contre, là, vraiment, la map monde, là. Ça me tentait de mettre une map monde. Très globe trotter. Hey, puis j'aimerais ça vous dire que parce que tantôt vous parliez d'Amazon puis de tous les gens qui se garochent là-dessus pour magasiner en ligne, puis Catherine n'était pas contente de ton éclairage, mais j'ai une surprise pour toi, Catherine. Quoi? Je savais que tu allais raconter une histoire pas le fun, donc l'histoire du cambrioleur, même si je ne savais pas où ça s'en allait. Fait que moi, j'ai décidé de te faire une petite fleur, puis je t'ai acheté sur Amazon un ring light portatif pour iPhone. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, quoi? Je nous en ai commandé chacun un. Ben voyons!
Ça s'appelle. Ben, ça, c'est 14 piastres. Et là, puis là, c'est sur le cul, là. Je suis tellement pas habituée de recevoir des affaires. Puis là, c'est comme une petite pince. Puis il y a une lumière en rond. Puis tu vas pouvoir pincer ça par-dessus ton laptop, par-dessus la caméra. Puis ça va t'éclairer en ring light. C'est très professionnel. Ouais, t'es ring lighté, enfin. Oui, enfin, ring lighté. Parce que tout, mais c'est tu te maquilles, tu te mets belle, puis là, hostie, ton éclairage, les ombres, t'es pas contente, ça te fait un mauvais grain, fait que je veux que tu sois heureuse. Parce que là, c'est ça l'affaire aussi, c'est que là, toutes nous autres, là, qui se mettons à faire des hosties d'Insta Live, Instagram, Insta tout, live de tout, Zoom, on est des créateurs, on est des artistes, on est des auteurs, on est des humoristes, puis là, on se trouve à devenir, on s'improvise caméraman, éclairagiste, maquilleuse. On s'ennuie de nos professionnels. Mais il y a des petits détails là, qui peuvent changer. Comme là, vous êtes sûrement sur le Wi-Fi, vous deux? Oui. C'est ça. Déjà que si tu te connectes directement dans ta connexion Internet avec un fil, tu vas avoir une meilleure image, tu vas avoir un meilleur ça va être beaucoup plus fluide. Oui, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Ben, tu ne me l'as pas demandé. C'est ça. Mais... Moi, je suis embêté parce que je ne saurais pas comment faire ça. Il y a sûrement un fil qui traîne quelque part que je pourrais plugger. Ben oui, puis juste, tu sais, un petit éclairage, puis aussi, c'est vraiment des détails. Là, ton son, avoir un micro pas loin, des trucs. Oui, je sais, mais là, tu sais, vraiment, là, tu sais, je serais allée m'en acheter un micro, mais là, c'est ça. Moi, j'achète pas des choses vraiment sur Amazon, là. Je suis un peu anal, là. Fait que je sais pas, tu sais, où aller acheter ça, là. Ah, mais il n'y a pas de micro local, ce que tu cherches, c'est un micro local. Un micro local comme les bancs locaux, c'est ça. Non, mais oui, Catherine, va sur Auberson, bon, pas Auberson, Addison, A-D-D-I-S-O-N. C'est une compagnie, je pense, d'ici, ça, qui vend de l'électronique. Il doit avoir un site web, puis il doit vous livrer des trucs. Ben c'est une petite compagnie qui a le magasin dans le Nord, un peu, là. Puis c'est là que j'ai acheté mes affaires, là. Tu peux tout acheter ce que j'ai acheté là-bas. C'est intéressant. Mais oui, c'est ça, c'est le genre d'affaires que j'aurais jamais acheté parce que j'en fais pas des podcasts. Mais bref, tu sais, nous, on fait ça un peu pour le fun, là, sans se prendre trop au sérieux. Mais là, je me rends compte qu'on a l'air complètement tweet, pas de micro. C'est ça qu'on nous dit. Ben, en fait, moi, je l'ai parce que j'ai fait un podcast, parce que sinon, j'aurais pas de micro puis je serais comme vous autres, là. C'est juste, je l'ai, là. Ah, mon Dieu! Un micro, puis t'as une map monde, puis je trouve ça super, puis c'est comme ça qu'on va commencer ça. J'ai All right! Putain, ouais. Franchement, c'est pas trouvé. Oh, et moi, j'aime ça pour... Je m'accroche à très peu de choses dans la pandémie, et ça, c'est... Moi, c'est ça, je vois de quoi vous dire. C'est quoi ce Gémeaux-là, Pascal? C'est à toi ou c'est à Florence? C'est à Florence. Ah, ben oui. Mon Dieu, pas j'ai pas gagné. Il n'y a pas un prix qui t'adore. Non, ben là, c'est... Je l'ai comme changé, là. Je l'ai pris, là. T'as moins. Mais t'es pas mal taquin. Alors! Parlons de la course! Eh hey, ben c'est drôle parce que quand je t'ai dit que le sujet... Au début, je voulais que ce soit les changements climatiques, le sujet. Non. Puis, ça me tentait pas de parler des changements climatiques avec toi. Pour moi, j'avais vraiment le goût de parler des changements climatiques parce que je trouve que c'est un beau sujet. En fait, je trouve que c'est très d'actualité puis je trouve que ça va vraiment dans tout ce qui se passe en ce moment. Tu sais, fait que je trouvais que c'était bien d'occurrence, mais je comprends aussi que c'est un peu décalissant. Ben, tu sais, c'est que, en fait, ah mon Dieu, c'est drôle, on est comme juste dans la coulisse, mais c'est que les changements climatiques, tu sais, nous, on propose un très court podcast qui, genre, normalement, d'ailleurs, serait sur le bord de finir son sujet, mais c'est ça, je trouvais que notre formule servait mal quelque chose d'aussi important et d'aussi vaste, mais... on pourrait faire un spécial de 3 heures de changement climatique avec toi, là, si tu veux, à un moment donné, dans un festival. Là. Non, c'est parce que c'était pas scientifique. C'était vraiment juste une perspective de genre, on y arrivera pas, puis on va mourir. C'était plus dans ce pattern-là, tu sais. Ben, je comprends, mais là, tu vois, c'est dit, puis on est encore plus déprimé. On est encore plus perdu. Je suis tellement pas un bon rayon de soleil dans la vie des gens. Genre de choses, la discussion va durer 5 minutes, on va peut-être être en beau joie le vert, puis on n'aura pas avancé vraiment dans les changements climatiques. Mais c'est quand même une belle proposition. C'est moi qui ai dit non. Parfait. Puis tu voulais. Mais je comprends en plus que tu as donné Félix comme messager, là. Je comprends. Ah non, mais parce que moi, Félix est habitué, je dis tout le temps non à tout. Ben, je suis la personne.
Je ne sais même pas pourquoi il me garde sur ce projet-là, parce que je sais tout le temps non. Mais j'aimais moi, beaucoup Catherine, la course. Je l'aime assez qu'elle peut me dire non à tout, puis je vais l'aimer pareil. Vraiment. Là, Catherine, elle peut dire non à tout ce qu'elle veut. Là, c'est, elle décide tout. Elle peut se permettre ça. Puis, hey, mais c'est pas tout. C'est pas la seule affaire à quoi elle a dit non. Hein. Tu nous as aussi suggéré, parle-moi pas sur la Terre est plate. Mais là, ça, là. Mais ça, c'était un gag. Ça, c'était une blague. C'est comme. Ben, c'est parce que, tu sais, on vient qu'on le sait plus, là, Pascal. Là, je trouvais, là, vraiment. Mais j'étais en colère, hein. J'ai failli me faire cambrioler. En PTSD, donc, je suis très sensible. Voilà. Bon, on va y aller avec la course. La course, parce que Pascal a de très belles jambes et il court. Il aime qu'on sache qu'il court. Il aime présenter son corps. On va parler de course. Hey, mais moi, je ne savais même pas que tu courais, Pascal. Puis, je suis curieux que tu me comptes d'où ça part puis depuis combien de temps tu cours. Mais avant, j'aimerais juste spécifier à nos auditeurs que tu m'as dit aujourd'hui, je vais parler de la course parce que je trouve que tous les coureurs sont des idiots. Alors, voilà, débattez. Mais à même pas, je trouve vraiment que courir, c'est idiot. Je pense vraiment que c'est épais. Je pense que c'est un peu une dépendance. Okay. Mais je cours depuis... Je peux même pas me souvenir de quand. J'ai commencé à jouer au soccer à l'âge de 4 ans. Puis je cours encore à 36 ans aujourd'hui. Là, tu sais, tu courais dans le cadre du soccer, mais courir dans le cadre de courir autour avec un trajet que tu partages là, sur Internet, c'est depuis quand que tu fais ça? J'ai jamais partagé mes trajets sur Internet, mais 20-21 ans, je te dirais, là, c'est là que j'ai commencé à courir. Là. À l'âge de 20-21 ans? Oui. Puis là, t'en as combien? J'en... Hein? 36. Ah! Vous allez bien. Okay. Oui, tu viens. D'ailleurs, joyeux anniversaire en retard, Pascal Cameron. C'était ton anniversaire. Oui, puis c'est toi bientôt, là. Oui, oui. Demain! Oui. C'est oui. Demain, Cathy! Oui, oui. OK, joyeux anniversaire à l'avance. Très gentil, merci. Parle-nous de ça. T'as-tu déjà fait des vraies grosses courses? Des 34 kilomètres, là. Impressionnant. Puis, tant qu'à ça, ça te tente pas de faire des marathons? Ouais. En fait, ça, à chaque année que je me sens... Qu'est-ce que tu dis? Paresseux! Non, fait qu'à chaque année que je me suis entraîné pour le marathon, je me blessais en août. C'est arrivé 2 années back-à-back. Première année, je me blesse, puis c'est parce que j'avais acheté des nouveaux souliers, puis j'ai marché beaucoup avec, puis c'était les souliers, en fait, qui m'avaient fait mal au mollet, genre à la cheville ici en bas, là, au talon d'Achille. Puis l'autre année d'après, ou avant, je me souviens pas, mais c'est l'année où le marathon est annulé parce qu'il faisait 40 degrés Celsius. C'est pas longtemps, ça? Ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Fait que c'était mes 2 années où c'est que je m'étais entraîné pour faire le marathon, puis les 2 fois, ça l'a échoué. Puis là, après ça, j'ai fait « Ah ben, fuck off ». Mais comme là, aujourd'hui, en plus, sachant que je faisais ça sur la course, je suis allé faire une course aujourd'hui. Parle-nous de ta course aujourd'hui en temps de confinement. Je suis allé faire une très longue course. Je suis parti d'environ, on va dire, le stade olympique. On va prendre le stade olympique. Je suis allé jusqu'à l'île Notre-Dame. Ensuite de ça, je suis allé au Casino de Montréal. Après ça, je me suis rendu jusqu'au studio Mel's. Après ça, je me suis rendu jusqu'au Vieux-Port de Montréal. Après ça, je suis revenu jusque près du stade olympique en courant. Fait que là, c'est pas barré, l'île Notre-Dame? Il y a un gros panneau qui s'est écrit « L'île Notre-Dame est fermée, mais pour les coureurs, on peut se faufiler. » OK, mais c'est pas écrit « Les coureurs peuvent se faufiler. » Non, mais moi, je suis capable de déjouer les pancartes. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'es allé si on n'a pas le droit d'y aller pour notre sécurité? Parce que c'est le parking qui est fermé. Il fallait prendre des germes. En fait, il n'y avait vraiment personne dans le parc. Puis c'est ça, c'est pour les gens qui viennent chiller dans le parc puis qui viennent... Parce qu'il y avait des gens qui faisaient du vélo dans le parc. Il y avait d'autres coureurs aussi. Fait que c'est pour ça que je suis allé à Notre-Dame. Je trouvais que c'était un bon parcours, puis je voulais vraiment avoir une bonne expérience de course à vous raconter. Et honnêtement, j'ai extrêmement mal aux jambes. J'ai les genoux enflés. Je vais peut-être avoir les orteils noirs demain matin. Ah. Ça arrive, ça, quand tu cours trop de longueur. C'est pour ça que je trouve les coureurs épais. Comment ça arrive? Tes orteils deviennent noirs. Pourquoi? Film Alive. Hein? Comme dans le film Alive. Mais non, mais je sais pas, ça arrive, tu parles comme si c'était... T'as-tu saigné des mamelons aussi? Non, moi, j'ai comme des bons chandails. Je m'arrange à avoir des chandails qui me frottent. Quand ils me frottent trop les mamelons, je les jette, je les porte plus. Je suis très sensible, en plus, moi, du mamelon. Alors, j'ai besoin des chandails assez mamelon-friendly. Wow! Mais moi, ce que je veux savoir, Pascal, c'est pas tant le fait que t'as mal aux jambes, parce que, bon, ça, c'est normal, mais est-ce que la course, c'est différent depuis le confinement, tu trouves? Il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas bien équipés pour courir qui courent.
Et je les trouve honnêtement ridicules. Je trouve qu'ils courent hyper mal. Ils portent du coton pour courir. Je suis comme, mais qu'est-ce que vous faites à courir? Et j'ai un jugement horrible sur ces gens-là avec qui ils courent avec les genoux un peu à l'intérieur. OK, parfait. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais c'est le moment. Je vais, Félix, je vais lire mon petit texte maintenant parce que je l'ai écrit un peu pour Pascal. En fait, en fait, je ne m'adresse pas à toi, Pascal, spécifiquement. C'est je veux avoir ton avis, d'accord? Okay. Parce que, c'est ça. Alors, je vais lire, là, parce que je ne vais pas expliquer parce que je l'explique dans mon texte. Donc, Pascal. Catherine. J'ai de gros running shoes blancs avec un peu de turquoise. Il m'a d'ailleurs fallu courir une bonne demi-heure dans la boutique du coureur sous le regard dégoûté des commis sportifs qui m'ont fait essayer tous les souliers orthopédiques de Lille et qui s'apprêtait à me recommander de me chausser de deux sangliers sauvages pour me véhiculer avec ce qui me reste de dignité quand j'ose, moi, passer de la marche à quelque chose qui surpasse le kilomètre heure parce que mes petites rotules de conne étaient trop douloureuses à regarder en action. Donc, ils m'ont dit étaient trop croches. J'ai jamais couru pleine conscience de même dans un magasin. Essayez d'avoir l'air de quelque chose. Vous êtes-vous déjà dit, vous, ai l'air de courir, Catherine? Moi? Oui. Depuis le début de ce confinement, je suis de ceux et celles qui font des tours de parc frénétiques, Pascal. Oui, beaucoup de tours. Je fais beaucoup de tours pour ne pas mourir, pour canaliser mon envie de crier dans un coussin du sofa. Je cours semi. Je marche très vite, en fait, Pascal. Dans un souffle inégal, j'ai les joues mauves foncées et le cul en lavette. Et oui, parce que ça me remonte le moral, oui, Pascal, je mets du rouge à lèvres écarlate, just because I can. Hmm? Je te vois me regarder, pas toi, Pascal, mais le coureur en général, je te vois me regarder être dans ton chemin, nuire à ton parcours de courseur qui fend l'espace de la piste cyclable qui, by the way, t'appartient nouvellement parce que COVID-19, dans ton petit combi short de celui qui était là le premier avant que le monde ait besoin, avant que les gueux chaussent leur gros running shoe blanc avec un peu de turquoise, je te sens. Je te sens une minute avant que tu me franchisses. Je sais que tu as le goût de me percer. Hein? Juste là, where the sun don't shine. Je suis cette connasse, oui, qui pense se faire du bien en bougeant un peu, Pascal. Cette tarte notoire qui se fait des accroirs parce que toi, oh toi, tu courras bien après que j'ai perdu la vie en tombant dans un trou de canal ou simplement en me regardant dans le miroir en rentrant chez moi, morte de honte devant la femme minable que je suis, la connasse qui voulait courir mais qui aurait dû rester chez elle. Alors, est-ce que, mettons, quand tu me vois passer ou quelqu'un qui bravo, va... Bravo! C'était bon! Magnifique. Est-ce que c'est... Aimé ça. Non, mais je veux savoir, c'est tout ça que tu dis quand tu nous vois, les nouvelles personnes? Non. En fait, en ce moment, je trouve que les gens sont mal équipés pour courir, mais je trouve merveilleux le mouvement des gens qui sortent. Mais on peut pas aller dans les magasins, Pascal! Je sais. C'est juste ça, je regarde à l'extérieur. Ça, c'est parfait. Mais ma vision vraiment de ça, c'est je trouve ça beau, les gens qui sont à l'extérieur. Et je l'ai vraiment exprimé à haute voix à ma blonde. J'étais comme, je trouve ça vraiment le fun. Les gens sont dehors, ne sont pas équipés. Mais les gens ne peuvent pas aller au gym et ils vont quand même à l'extérieur. Je trouve ça dangereux pour la sécurité. C'est ça qui me fait le plus peur. Parce qu'il y a des gens qui ne courent pas avec les bons souliers et pour vrai, c'est rough pour les genoux et les chevilles si tu ne cours pas avec les bons... Je sais que les gens ne peuvent pas le magasiner. Avec les bons souliers, c'est rough. Est-ce que tu cours sur la pointe des pieds, Pascal? Parce que c'est la technique. Je suis mi-pied, moi. Je ne suis pas le snob de bout des pieds. C'est quoi mi-pied? Je suis au milieu du pied. Je comprends pas comment on peut avancer au milieu du pied. Non, mais c'est important. Mais je cours pas sur les talons. Non, je cours pas sur les talons. Je cours sur le milieu de mon pied. Fait que moi, je cours comme une snob parce que moi, là, self-conscious comme je suis dans les sports où on me voit, où on peut m'observer, je suis allée regarder une petite vidéo sur comment courir. Puis ça expliquait qu'il fallait vraiment courir sur la pointe des pieds. Fait que là, moi, je fais juste ça. Pour rien, finalement. Là. Ben, moi, je ne cours pas comme ça. Peut-être que c'est moi qui cours extrêmement mal et qui ne sait pas comment, mais moi, je cours plus... je suis comme un peu un milieu de pied, là, un genre de...
Tes pieds sont-ils de même? Non, mais c'est juste ma main comme ça. Là. Je suis pas capable de miter des mains, des pieds avec mes mains. Non, mais je veux dire, je questionne pas, c'est juste que ça m'intéresse. Je me demande. Fait qu'il y a donc une catégorie de coureurs qui regardent des gens courir et disent « Cette personne court comme une snob. » Ah, quand, non, mais... Il y a pas aussi. Mais quand je regarde les gens courir, c'est pas que je suis en train de courir. Habituellement, je suis soit dans mon auto ou soit en train de faire autre chose. Parce que quand je cours, je fais mes affaires puis je dérange pas personne. Puis je trouve ça beau, moi, les gens qui font du sport, parce que le sport, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Si je fais pas de sport, je pète des câbles. Fait que je trouve que c'est une société en santé pour des gens qui font du sport. Bon, là, Pascal, honnêtement... C'est comme si, quand quelqu'un court avec le mauvais équipement, c'est comme si quelqu'un joue au hockey avec une pelle au lieu d'un bâton. C'est sûr que quelqu'un va noter le fait que, Chris, t'as une pelle. Oui, t'as des Converse pour faire ton jogging. Tu devrais pas jogger avec des Converse. En Converse, voyons donc. Ah oui, Richard a commencé à jouer au hockey, c'était payé des catalogues, c'est tibia au lieu de se mettre des pads, là, puis là, il était bon pareil. Mais oui, mais on soulignerait les catalogues. On ferait comme, ah, il y a des catalogues! Pouvez-vous m'applaudir si je cours avec deux boîtes de Kleenex dans les pieds? On trouve ça merveilleux, Catherine, que tu cours avec des boîtes de Kleenex dans tes pieds. C'est pas ça. C'est juste que c'est pas l'idéal. Bon, d'accord. On a entendu ton appel là, très rassembleur pour féliciter les gens de faire du sport, mais honnêtement, Pascal, quand tu cours, est-ce que tu as ton trajet divin? Et je veux dire, tu t'attends à ce que les gens se tassent quand tu passes. Je ne vais pas te prendre piège, mais pas tout ça, tu dois faire ça toi aussi. Moi, je suis sûr qu'il est genre à se préparer des trajets pour faire un dessin après dans le Google Maps. Je m'enregistre pas mes temps. Je prends pas mes distances. Je prends pas ma vitesse. Je prends rien. Là, je compétitionne pas contre personne. Je fais juste courir parce que ça me fait du bien. Tu sais, j'arrive pas chez nous en faisant comme moi où j'ai fait 4-13 le kilomètre. C'est juste... Aujourd'hui, je suis allé courir. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Je sais par où j'ai passé. Et mon chemin est dicté par les lumières que je pogne ou les lumières que je pogne pas. Wow! Fait que si j'arrive à une lumière verte, puis à une lumière rouge, puis je peux pas y aller, ben je tourne à gauche là. Puis après ça, je m'en vais à l'autre coin de rue, je peux tourner à droite, je vais tourner à droite là, mais il y a pas... je m'en vais pas à un endroit... Tu sais, aujourd'hui, je suis parti de courir, je suis arrivé au coin de... un peu avant Papineau, puis Ontario. Puis là, il y avait une lumière rouge, fait que là, je tourne à gauche, je suis arrivé, je vais dire, ah, le pont, il est là, fait que je vais prendre le pont. Ouais. Mais c'est une des affaires, le fun quand tu cours, c'est que tu as juste à penser, te demander où tu t'en vas puis comment tu reviens. Parce que moi, j'ai couru sur des tapis roulants, puis j'ai couru dehors. Puis l'affaire que j'ai essayé le plus de courir dehors, c'est que quand tu es vraiment tanné, faut que tu reviennes. Alors qu'en tapis, chez vous, quand tu es tanné, ben tu fucking débarques. J'ai déjà pensé me coller à Uber pour revenir à la maison au bout d'une course dont j'étais absolument plus capable. Aujourd'hui, je suis arrivé dans le vieux port, puis je me disais, je prends-tu le métro? Je commence à être... Pour vrai, mon Dieu, je devais être rendu à genre 13 km, je ne sais pas trop. C'est assez loin quand même. Fait que là, j'étais comme, hey, pour vrai. C'est épuisant courir 13. Là, aujourd'hui, j'ai sûrement couru autour de peut-être entre 16 et 20. Là, je ne sais pas combien, fait que je me note pas, tu sais, mais tu sais, c'est juste... 13 et 20, c'est beaucoup, Pascal. Note-le parce qu'on dirait que je crois pas ça. C'est ben trop. Tu es en forme, Pascal, quand même. Je suis sûr que tu es capable de le faire, mais ça doit pas être bien. Ça doit être rough pour les jarrets. C'est difficile pour l'ossature, pour l'énergie. T'sais. Comme là, tantôt, j'étais vraiment vidé totalement. J'avais froid. Non, mais tu sais, c'est vraiment pas le fun. Là. C'est pour ça que je trouve que les coureurs sont épais. Je reviens là. Là. Oui, pourquoi tu trouves qu'ils sont épais, les coureurs, en fait? Parce que... ça devient une genre de maladie, ça devient une genre de psychose. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de calculer mes temps. J'ai arrêté de calculer mes distances. Parce que quand tu cours et tu calcules tes distances, à un moment donné, tu fais comme « Oh shit, je cours moins vite qu'avant hier. » Puis ça te met à... ça joue dans ta tête. Tu fais comme « Crime, je suis lent. » Puis tu finis par juste devenir un petit peu malade mental puis juste jaser du fait que tu fais des temps de course, tu sais. Fait que là, je ne sais plus combien je cours. Je ne sais pas ce que je fais. Je sais que je suis sorti. J'ai vu dehors. Je me suis promené, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens à qui j'ai dit bonjour. J'ai couru dans la rue pour pas gosser les gens sur le trottoir quand c'était le temps. Puis, je suis quand même un coureur friendly, pour vrai.
Ben oui, mais tu as une belle éthique de course, là. Moi, je c'est tout à ton honneur. Puis ça quand fait... je juge l'équipement des gens, c'est par souci de... C'est vraiment ça, c'est vraiment genre... Regarde donc s'il est vertueux. Personne qui a douté de ça, Pascal. C'est mais vrai. Moi, j'en doute en le disant. C'est pour ça que je le répète. Tu comprends-tu? Mais moi, ça me fait rire parce que vous dites que j'ai pas couru. J'ai couru pendant un très bref moment, il y a genre, je sais pas, 4 ans. Là, je suis cette personne qui court à l'occasion. Mais là, là j'ai besoin de sortir et de courir un peu. Mais je me suis jamais dit, je vais décider où je vais. Moi, c'est la seule chose que je me demande frénétiquement, c'est pas je vais-tu tourner à gauche ou à droite, c'est plutôt je vais-tu mourir. Je fais juste des tours de plan. J'ai jamais fait des trajets encore, vraiment. Je suis pas encore au niveau trajet. Je suis au niveau. Mais t'as vraiment peur de mourir quand tu cours? C'est mais vrai, non, ça? Non, non, mais pas mourir, mais parce que, tu sais, je veux dire, I'm a beginner. Fait que j'ai pas un cardio de la mort. Là. Je fais genre 1 km, puis c'est mais beau. La course. Combien de kilomètres? Hein? Combien de kilomètres tu fais? 5, mais c'est bon. Ben, ça va, mais tu sais, c'est cool. À la fin, je trouve ça difficile. Mais ça va s'améliorer, mais je m'en fous, là, honnêtement. Là, je m'en fous. C'est juste ça me fait rire. Je suis pas. Je fais pas de la course de villégiature comme vous, là. Mais on court pour. Tu sais, ça, c'est que. Tu sais, quand je courais pour faire des temps, j'avais pas de plaisir. Là, je cours parce que j'ai le goût d'aller courir. Il y a quelque chose de vraiment plus sain là-dedans. Puis, tu sais, quand je cours, là, je check plus les gens autour de moi. À une certaine époque, je courais, là. Puis il n'y avait pas un esti qui allait me dépasser. Puis j'étais vraiment, ah, oh, mon Dieu, il n'y en a pas un. J'allais monter le Mont-Royal et quand je courais le Mont-Royal, il n'y en avait pas un qui me dépassait et je dépassais tout le monde. Ça, c'est pour Pascal, c'est ça que je voulais entendre, je le savais. Puis là, depuis que je fais plus ça, je fais juste m'amuser puis courir, puis c'est juste bon de prendre l'air, c'est juste le bon de... Ça, mais en même temps, c'est de la méditation aussi. Moi, courir, c'est je me débranche de tout. J'ai plus la TV, j'ai pas quelque chose à faire, je suis pas en train de me sentir coupable de pas être en train de travailler ou de faire du ménage ou de racler les hosties de feuilles mortes. Je cours. Fait que là, en même temps, là, tu fais du ménage dans ta tête. Pour moi, c'est quasiment de la méditation. C'est aussi contemplatif. Moi, j'aime ça courir puis regarder les maisons, regarder aller au bord de l'eau, regarder les gens passer en bicycle, puis me faire des. Puis je trouve que c'est bon pour la créativité aussi quand je reviens. Premièrement, je suis oxygéné, mais on dirait que tu as comme plus d'idées parce que tu as réfléchi à des trucs, tu brainstormes avec toi-même dans ta tête quand tu es tout seul. Ben oui, c'est merveilleux, c'est ça. J'ai comme l'impression que tout le monde qui court, mettons, pardon, au parc Laurier, là, ils brainstorment pas dans leur tête, vraiment. Oui, mais là, tu es dans un parc. C'est ça, c'est qu'il faut pas t'aider où les gens courent. Parce que c'est des gens qui s'entraînent parce qu'ils trouvent qu'ils ont. Tu sais, c'est ça, il y a des gens qui courent pour le plaisir, puis il y a des gens qui courent parce qu'ils veulent perdre du poids. Droit. Hein? Parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit, mais je pense que chacun a sa motivation de courir. Là. Puis il y a des gens que la motivation rend agressif. Tu sais, la personne qui veut faire descendre son temps de course, ça se peut qu'elle s'en calisse de toi qui est sur le trottoir à côté. Tu sais. Tout le temps dans le parcours de cette personne-là, je dois dire, là, je suis tout le temps là, tout le temps. Aujourd'hui, je suis super respectueuse. Je longe les lignes, je me sac quasiment d'un char, mais je trouve le moyen d'être dans le parcours de quelqu'un. Aujourd'hui, en courant, je suis tombé. Hein? Genre, face première. On voit pas trop parce que je suis tombé vraiment de façon taquine sur les petites mains. Là. Mais on voit. Mais c'était vraiment pas grand-chose. En fait, j'ai monté le pont Jean-Cartier, puis après ça, je redescendais dans le côte l'autre bord. Puis tu sais, il y a des craques dans le pont Jean-Cartier. Puis j'ai un pied qui a frappé une craque. Mais c'est donc bien peur, hein? Et c'était malade mental parce que je suis arrivé sur mes mains, j'ai roulé sur mon épaule et je suis retombé sur mes pieds et j'ai eu l'air d'une vedette. Le monde qui montait de l'autre côté, il comprenait pas. Il était comme juste... La question, c'est quand tu tombes sur les mains en courant, est-ce que tu utilises juste le bout des mains ou tes mi-mains comme pour tes pieds? Ah, j'étais vraiment plus talon, là. J'étais très talon. C'est ça, hein, la technique. Parce que ça a juste fait ça de même. J'ai roulé, puis je me suis relevé, puis mon linge, j'ai pas brisé rien. Je suis juste comme... Bravo! J'ai déjà fait un voyage de course, moi. Un voyage de course? Ouais. C'est drôle parce que c'est mon souvenir Facebook cette semaine. Et il y a 7 ans, ma blonde, mon ex-femme, et moi, on est allé en Espagne pour faire le demi-marathon de Madrid. Okay. Wow! Moi, je t'avais jamais conté ça, Catherine? Ben moi, j'oublie vite.
Les anecdotes de course, elle garde pas ça dans ses disquettes. C'est le fun parce que tu peux me réimpressionner. Ben, tant mieux si ça te réimpressionne, mais c'est pas si impressionnant. Ben, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est le voyage. Puis moi, je trouve ça le fun de. C'est le fun d'avoir un but aussi, tu sais, t'entraîner pour quelque chose. Là. Puis là, j'avais jamais couru de ma vie. Puis Marie-Pierre, elle, c'est une grande sportive, une grande coureuse. Elle a fait des marathons là, partout. Là. Elle a fait un marathon à Hawaii, on montait sur un volcan, puis ça, wow. Elle en a fait plein. Puis elle a étudié en kinésiologie. Fait qu'elle m'avait fait un programme pour que j'apprenne à courir. Fait qu'on avait 3 mois, puis notre but, c'est bon, ben, dans 3 mois, ça va faire le marathon de Madrid. Fait que t'as 3 mois pour apprendre à courir un 21 km dans des temps respectables. Tu sais, je dois être capable de pas la suivre parce qu'elle est vraiment bonne. Là. Mais vous êtes capable de le faire. Puis ouais, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, ce voyage-là, pour faire ça. Puis j'ai fait un demi-marathon en 2h14. C'est-tu bon? Ben moi, ça m'impressionne là, beaucoup, mais... C'est correct, hein, Pascal? Hein? Très mauvais. C'est très mauvais. C'est mauvais. Mais tu sais, les très, très bons coureurs, ils font un demi-marathon en 2 heures puis un marathon en 4 heures. Moi, j'ai fait en 2h14. Je trouve pas ça si pire pour mon premier. Là, je sais pas, un demi-marathon à 2h14, c'est 20 kilomètres? C'est 21, ouais. C'est 21 kilomètres, fait que t'étais sûrement à 7 minutes le kilomètre à peu près, ta course? Genre. Ah, mon Dieu, tu le méprises. Non, je le méprise pas, je calcule. Non, j'ai juste calculé. J'ai zéro mépris. J'ai jamais fait de demi-marathon... chronométrie. Okay. Bon, c'est 7 minutes le kilomètre. C'est 7 minutes le kilomètre? Ouais. C'est quoi ta question? C'est-tu bon? Ben, je sais pas, j'en ai pas couru. Essaye pas de m'avoir de me poser une question, c'est que je vais avoir l'air snob. Je te vois la face. Je le sais ce que tu penses. Pour vrai, c'est super bon faire un demi-marathon. Ah, Catherine! C'est vraiment... Mais moi, tu as calculé, tu as eu le réflexe du coureur que je déteste. Non, c'est juste. Ah oui, il m'a demandé est-ce que c'est bon. Mais après, j'ai calculé. C'est ça. Tu as calculé. Hein? Est-ce que c'est ce soir qu'on va se chicaner pour la vie, Pascal? Ben, on va pas se chicaner pour la vie parce que je pense pas qu'on peut se chicaner. Là. Notre base d'amitié est faite sur vraiment autre chose que le jogging, j'espère. Ben, sachez que moi, j'étais très fier de moi. C'est pas que je vais ramener ça à moi, là, mais juste je dis que moi, j'étais très fier de mon 2h14. Mais c'est ça, là, c'est ça qui est beau. Ça à nous. C'est ça qui est beau, mais juste parle pas avec nous autres, on se chicane. Là. Bon. OK, parfait. Non, mais ma blonde, elle l'avait terminée en genre 1h52. Fait que c'est quand même un peu humiliant. Ben non. Mais non, mais ça a l'air que les filles courent moins vite que les gars en général. Mon Dieu, je sais pas. Je n'ai pas de là-dessus. J'imagine que ça dépend de vous. On n'a pas nécessairement les mêmes équipements en termes de musculature de jambes. Vous avez des plus longues jambes souvent. Je sais pas si ça s'explique. Moi, j'embarque pas. Oui, mais on a aussi un pénis. Ça, c'est dans les jambes, un pénis. Dans quoi? On a aussi un pénis, puis ça, c'est dans les jambes, quand on court. Mais t'as pas dit que les gars couraient plus vite que les filles? Ouais. Ah, mais... Les pénis fend le vent? Non, mais tu dis, les gars courent plus vite, c'est normal parce qu'ils ont plus de muscles, mais on est désavantagé par quelque chose qui traîne entre les deux pattes. En général, moi, je vois très, très peu de pénis pendre. Là. Des petites shorts avec des petits filets à l'intérieur, là, c'est bien pratique. C'est ça que je peux mettre. J'ai toujours couru tout nu. Je trouvais que les gens me regardaient bizarre à Madrid. Au stand de paille, là. Je vais vous prendre des moules. En fait, j'ai noté. Il y a une tonne de femmes qui clenchent les hommes, là, mais. Ben oui, mais c'est comme si je me bats contre une fille qui a fait du UFC, elle va me péter la gueule, là. Tu sais, ils ont un entraînement, ouais. Aux autres aussi, comme les coureuses qui font des marathons, là. Ils nous torchent, là. J'ai noté des petites choses, la gang. J'ai trouvé des courses fofolles dans le monde, des courses funny, insolites. Je vous les nomme, puis vous me dites si vous seriez game de les courir, OK? D'accord. Des affaires, c'est des expériences. Moi, là, pour l'expérience, je suis prêt à tout. C'est vrai? Non, mais vous aussi, vous êtes comme ça. Pour l'anecdote, là, des fois, on peut aller un peu plus loin, non? Quand même. Oui. Bon, mais alors... j'aime beaucoup, moi, l'imaginer comme si je l'avais fait. Ah, c'est ça. Bon, ben, écoute, imagine-toi en train de faire ça. Ça s'appelle mentir. Oui, le trois quarts de mon stand-up est basé sur quelque chose que j'ai vu puis que je me suis juste pris à moi-même. Comme si j'avais aidé un itinérant, mais je ne l'ai pas fait pour vrai. Ben, comme la plupart des humoristes.
C'est ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, imagine-toi. Ah, je dis, on s'en rend toujours compte quand l'anecdote n'a pas été vécue. C'est faux. On le sait. Alors, maintenant. Imaginez-vous en train de faire la Man versus Horse Marathon. J'adore. Je vous explique. C'est une course qui fait compétitionner contre un adversaire de taille, le cheval. Ça existe depuis 1980 au Royaume-Uni, dans le pays de Galles, sur une distance de 35 km, 500 coureurs, 50 chevaux. Tout le monde part à courir en même temps dans un parcours accidenté et souvent avec une météo capricieuse. C'est quand même nice comme course. Mais est-ce que ça dit si qui arrive en premier? Est-ce que c'est toujours un cheval? Les chevaux, ils doivent se foutre. Là, ils sont lousses. Il n'y a personne qui les guide. Ils partent. J'ai des réponses. Alors, le gagnant, peu importe cheval ou homme, gagne 25 000 livres. Ça, c'est genre 43 000 piastres. Okay? Ça existe depuis 1980. Puis ça a pris 25 ans avant qu'un homme gagne ça. Ça a toujours été un cheval qui arrivait là en premier. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette année-là que l'homme a gagné. Les chevaux devaient être perdus raides. Je ne sais pas où s'en aller, mais oui, je trouve ça très cacophonique. Ça m'interpelle, j'ai le goût d'y aller. Ça doit être plus raide. Puis ça doit virer un peu en hécatombe. Là. Les gens, ça doit finir en piétinage équestre. Tout ça, non? Quand tu participes à ça, ben, en fait, tu dis ça, puis ça me tenterait de le faire, mais tu sais, tu mérites un peu de te faire piétiner par un cheval. Ça fait partie de l'expérience. Mais c'est très Darwin Award, sélection naturelle. Si t'es mort pendant que tu faisais piétiner par un cheval dans une course horse versus man... Mais on doit être dans deux petits enclos différents. Chacun court de... On est mixé. Aucune mention sur les enclos. Ben non, mais... Ben non, mais c'est sûr que tout le monde est pêle-mêle, sinon c'est sans intérêt. Non, j'espère qu'on est pêle-mêle pour lui claquer le cheval en partant en course. Dans deux villes différentes. Les chevaux à Dallas et les humains à Bon, connaissez-vous la course verticale? Attends, mais c'est quoi les épreuves qu'il faut qu'ils fassent? Y a-t-il des épreuves genre comme d'associer? Tu sais quoi? Tu parles des courses équestres? Ouais, mais t'as dit qu'il y avait comme des défis au travers, là, que c'était comme accidenté comme parcours. Mais j'ai dit obstacle, puis en même temps, je t'ai tout dit ce que j'avais appris là-dessus, fait qu'on passe à la prochaine course. D'accord. Désolé, mais ce que je voulais en savoir. Non. Je veux qu'on parle de la course verticale. C'est intéressant, ça. Connaissez-vous ça, des courses verticales? Non. C'est dans des grands monuments. Comme là, il y en a une très célèbre dans la Tour Eiffel. C'est 1665 marches d'escalier. Ça, là, ça me tape déjà sur les nerfs, beaucoup, là. Tu le ferais pas, hein? Non. Garantie que je ferai jamais ça de ma vie. Bon, mais coudonc. C'est 276 mètres de dénivelé positif. Je sais pas ce que ça veut dire. Puis c'est trié sur le volet, là. C'est des inscriptions, puis il y a comme un tirage. C'est juste une centaine de privilégiés là, qui sont sélectionnés chaque année pour pouvoir le faire. Puis les meilleurs hommes le font en 8 minutes, puis les meilleures femmes le font en 10 minutes. Tout tantôt, je te disais, les hommes sont meilleurs. Mais bref, 1600 marches en 10 minutes. Êtes-vous fou, Chris? Quel intérêt! Je sais pas. Mais c'est ça, le côté de course que j'haïs. C'est ce genre de gens-là, je trouve, qui sont épais. Je trouve ça complètement fou. Je manque d'air. Juste d'y penser, je manque d'air. Il doit avoir des marches. Beaux mollets. Ils ont tous monté le marche trois par trois, en plus comme des hosties de furie. Ouais. Ça me dépasse. Mais imagine aussi l'expérience. Je ne sais pas comment ça marche, mais tout le monde part tout en même temps. Ça ne doit pas être bien large, ces escaliers-là. Ça doit être désagréable, juste du monde lettre. Juste du monde de tout. Ajoute à ça des Français qui gueulent. Tassez-vous! Tassez-vous, les pauvres! Du coup, je monte mes marches trois par trois. Bon. Oui, Pascal, tu l'as commenté? Non, c'est ridicule comme course. Bon, parfait. Mais il y en a plein d'autres dans d'autres monuments avec des marches. Mais bref. J'en ai trouvé une, le fun. Une course très le fun qu'on aimerait tous faire. C'est dans la région du Beaujolais. Okay? C'est une course à travers des vignobles. Et à chaque fois que tu traverses le terrain d'un nouveau propriétaire, tu es obligé de caler un des verres qu'ils fabriquent, un des verres de vin qu'ils font. Une bonne bagosse. Ben ça c'est agréable. Quand ça doit être quand même drôle, là. Ça, c'est des gens phoniques. C'est sûr que c'est drôle. Ben oui. Propose, ne pas de venir une course en 4x4. C'est sûr que je vais l'essayer. Là. C'est sûr qu'on... Hey, courir chaud d'ail, c'est oui.
C'est non, ça doit tellement pas être le fun. Toi, c'est non. Ah, mon Dieu, tu dois être tellement pas bien filé, courir un peu chaud ou genre... Non, mais tu sais, j'imagine, je veux dire, tu cours longtemps, tu bois de l'eau, puis tu bois un verre de vin. Tu dois pas être complètement chaud, désagréable, je sais pas. Tu dois pas être déformé. Moi, c'est sûr que... Moi, je deviens arrogant, tu sais, quand je bois en plus. Ah, là, oui, fait quand tu bois, tu es arrogant, Pascal. T'as-tu le vin fâché? Non, vraiment pas. Moi, j'ai le vin voleur. T'sais, voleur? Oui, je vole des trucs aussi quand je suis chaud. Ah, faut pas aller là. T'es du genre à aller crocheter la serrure d'une copropriétaire d'un bloc? J'ai pas le goût d'en parler, mais... J'ai mon marteau. Mais juste à dire, Catherine, t'as pas à t'inquiéter. De quoi? Je reviens pas à soir, je reste chez nous. Ah, d'accord, mais c'est ça, mais tu corresponds pas à la description. On l'a en photo, l'homme. C'est pas toi. Ouais. C'est vrai? Oui, oui, ma voisine d'en bas l'a pris en photo. Mais décris-le. Ben non, je ferai pas ça. OK. Pourquoi? Il y a peut-être quelqu'un qui le connaît. Hey. Ben non, mais, en tout cas, c'est bizarre, mais on s'en va. Si ce podcast-là pouvait se transformer en true crime, tu nous mettrais ça à map en tabarnak, ma chum. Ça serait... Mais c'est sûr, mais non, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme des espèces de descriptions typiques qui vont alimenter le racisme. Puis on n'a pas assez d'informations. C'est drette là que je savais que ça s'en allait. C'est pour ça que t'es... C'est ça, là, voilà. Mais non, on va pas là. T'as bien raison. Et une petite dernière course, bien funny, fun, fun, en terminant. Je l'ai adorée, celle-là. Elle s'appelle la Wings for Life World Run. Okay? C'est un marathon qui a lieu dans une trentaine de pays partout dans le monde en même temps. Okay? Le concept est simple. On part à courir et 30 minutes plus tard, il y a un char qui part dans le circuit derrière nous. Cette voiture roule à 15 km/h, mais accélère d'un kilomètre heure à chaque kilomètre qu'elle franchit. Donc, le but, c'est de ne pas se faire rattraper et ou faucher par la dite voiture. C'est comme l'autoroute du show business. Exactement ça. Mais ça, Wings for Life. Attendez, je trouve ça... Oui, je trouve ça extraordinaire, mais attends. La raison pour laquelle ils font ça, c'est encore plus drôle. Cette course a pour but d'amasser des fonds pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Je la ferais tellement, cette course-là. Mais comment tu donnes les sous, les fractures? Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais c'est en t'abonnant. Mettons, ça coûte 50$ par personne pour faire la course. Ouh. Tout l'argent va pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Puis le but, c'est de ne pas te faire lutter pendant que tu cours. Je trouve ça parfait. De ne pas finir, tu sais, avec le... C'est pas drôle, mais c'est drôle quand même. Avec le casse, avec les vis, là. Si t'as pas ça, t'as gagné. Le crâne pas vissé. Ça, c'est ma préférée. C'est... Moi aussi, c'est ma préférée. Puis il n'y a rien de plus motivant que de se faire courir après par un char dans la rue. Mais moi, j'aurais rajouté... Il me semble que j'aurais tapé des couteaux sur le bumper. Oui! Des petits couteaux et des chucky, là, après aussi, là, quelque chose. Oui, ça se peut que je t'écrase pas, mais ça se peut que je te coupe un genre, tu sais, tu t'en sortiras pas de même. Un petit tendon. Mais moi, je pensais que, parce que c'est Wings for Life, moi, je pensais que c'était une affaire qu'à un moment donné, tu t'envolais. Non. Puis là, tu plantes, je sais. Ça serait malade. Ça n'a comme pas rapport le titre avec l'activité. C'est comme ben oui, mais je pense que ça veut dire on vous donne des ailes pour la vie. Ben oui. Ouais. Ben parce que t'es dessus et ils deviennent des anges. Qu'est-ce qui se passe? Ah, nos anges. On les a-tu remerciés, nos anges, aujourd'hui? Ceux qui sont écœurés de travailler, là, on ne les a pas remerciés. Ah, nos beaux anges. Ils sont tellement écœurés de travailler qu'ils sont écœurés de se faire remercier. Hey, comment c'est quand vous avez réalisé que, genre, que les commis d'épicerie sont comme plus importants que nous dans la vie? Il y a quelque chose de le fun dans cette perspective-là? De... Moi, en fait, j'ai juste pogné de quoi quand j'ai réalisé que mes commis d'épicerie étaient maintenant à manger comme des caissières à la banque là, avec la vitre par balle. Puis, ouais. On voit ça, vos caissières, vous autres? Oui, ils ont des petits pas de tirer dans leur vitre là, parce qu'il va y avoir des problèmes. C'est ça, fait qu'ils ont des belles, des beaux paravents de plexiglas, c'est parfait, mais j'ai pogné de quoi quand même? Moi, je suis un gars qui aime les gens, puis la chaleur humaine, c'est important, puis le contact. Je ne vais pas vous dire que je vais toucher à ma commis d'épicerie. Je ne veux pas toucher, mais j'aime ça pouvoir y jaser, pas à travers d'un plexiglas. Ben, là, écoute, t'es quand même pas si loin de toi, là. Tu peux quand même faire un petit coucou à côté. J'ai fait, puis ça, c'est pour son bien, là. Je veux qu'elle vive longtemps.
T'sais, Pascal, je te rassurer, là, dès que cette crise-là va être terminée, là, les gens ne considéreront plus que les commis sont des anges. Là. Ils vont recommencer doucement à s'en calisser. Ouais, je sais, triste. Et à bien les payer. Tu penses qu'après après cette crise, penses-tu que les gens vont moins courir également? Je pense que les gens vont retourner dans les gyms aussi. T'sais, ils vont reprendre leur routine, mais je pense que c'est ce qui me rend le plus triste de ça, c'est de penser à toutes les bonnes habitudes qu'on prend là, qu'on va les reperdre, toute la reconnaissance qu'on avait envers des gens, tout ce qu'on... J'ai peur qu'on reprenne tout ce qu'on avait pour acquis, puis qu'on n'ait pas appris de ça, puis qu'on n'apprécie pas plus, genre, ce qui arrive, tu sais. Que... Moi, je pense le contraire. Moi, j'en dirais que je me dis, ah yes, enfin, ces gens-là vont être reconnus, puis on ne va jamais les oublier. Mais je me demande, après la grippe espagnole, ça leur a pris combien de temps, ce calisser du monde qui les avait aidés après? c'est ma question. Là. Tout le monde est mort, Pascal. Fait que tout le monde a oublié. C'est une nouvelle génération qui a pris la place. Mais c'est sûr qu'il y a des choses. Il y a des prises de conscience. Puis, c'est le principe du nœud pousse sur le vieux. Oui. Oh. Les nouveaux cigares là, vont établir leur nouvelle loi. les gens qui prennent les décisions et qui ont l'argent, là, ils s'entorchent présentement des anges et ils s'entorcheront là, également. Ils s'entorchent avec le papier de toilette qu'ils ont dûment amassé avec, depuis plusieurs semaines. On va acheter local juste qu'à ce que ce soit plus à la mode et que les gens retournent dans les Walmart et les Costco nationaux. Mais ça, tu vois, ça, je pense que les habitudes vont peut-être changer un peu. Parce que de toute façon, on parle de repenser un peu la façon de s'approvisionner parce qu'on voit la précarité de... À un moment donné, il y a plein de fruits et légumes. C'est complètement niaiseux là, dans les épiceries. De toute façon, déjà, c'était bien, bien difficile d'avoir accès à un poireau d'ici. Mais j'ai l'impression que juste par... non pas pour les belles valeurs puis pour sauver les gens, mais pour sauver l'économie, on va peut-être être un petit peu plus autosuffisant, mais hormis ça, les gens qui vont... OK, je pensais que tu étais parti. Les gens qui vont avoir développé une espèce de relation avec un producteur local ou un produit local, c'est les gens qui peuvent se permettre de faire ça en ce moment, de toute façon, c'est les gens qui ont un peu d'argent. Puis, tu sais, je dirais, en même temps, c'est vrai que ça aussi, pour les bonnes ou les pas bonnes raisons, bien, ça te valorise, là, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que les gens vont pas carrément tout retourner chez Walmart pour tout, là. Il y a quand même des belles choses qui se passent, puis des belles entreprises qui ont des initiatives, puis c'est vrai que ça, je suis moins inquiète, là, mais overall, j'ai l'impression que tout va redevenir essentiellement comme avant. J'aimerais savoir ton optimisme pour le... J'ai amené un peu de lueur positive. Moi, je remarque beaucoup que, tu sais, quand je vais marcher avec mes enfants, je joue dehors, les gens se saluent plus qu'avant. Oui. On dit bonjour aux gens qu'on croise dans la rue, des voisins à qui j'avais jamais parlé. Puis ça me donne foi en l'humanité, puis ça me donne confiance qu'on va peut-être pas garder, mais j'aime penser que, ouais, on s'est comme ouvert, puis là, on va tellement être cloîtré longtemps sans plus pouvoir parler ou approcher les gens qu'on va l'apprécier plus, puis j'espère que ça va rester. Ben, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de très... Je parlais de moi encore, je suis quelqu'un d'assez ermite, puis, tu sais, mes amis, je suis très chanceuse parce que j'ai des amis très gentils, qui sont très compréhensifs et qui acceptent que je les choque constamment. Et moi, cette affaire-là, ça m'a appris vraiment à me rapprocher. T'sais, je répondais jamais au téléphone ou je retournais peu les appels. C'était compliqué, là. C'est compliqué. Mais maintenant, j'ai trouvé le plaisir de faire ce qu'on fait là, avec des chumés, comme tout le monde fait. Mais moi, je pense que ça va changer mes amitiés. Puis ça me rapproche de mes gens. Je pense qu'on est une petite... Le rapport aux autres, moi, en tout cas, ça a changé. Parce qu'il y a aussi le fait que je suis le temps en course en train de travailler. Mais là, je sais pas. Il y a comme une espèce de rapport de proximité, comme quand j'avais 13 ans puis que j'appelais mes amis à chaque jour. Et j'ai comme l'envie de parler aux gens. Les gens parlent, on sent dans la rue des madames qui nous racontent leur journée en regardant. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, ce moment-là aussi, qu'on se regarde. On ignore encore les itinérants, mais les gens de la grande haute, on se parle. Là, je me demande comment ça se passe. Je sais bien qu'on ne peut pas vraiment avoir réponse à ça, là, mais les itinérants, parce que, tu sais, je veux dire, c'est déjà qu'on fait, tu sais, la plupart des gens obéissent à la consigne de se contourner, de s'éloigner. Bien sûr que là, il y a comme moins de gens qui s'arrêtent pour jaser aux itinérants. Puis, mais c'est pas juste leur jaser, mais
pas juste leur jaser, mais juste en voiture, t'arrêtes la lumière et quelqu'un qui passe. Puis, on dirait que j'ai peur de mettre ma main dans le bol qui va donner ses sous. Il y a tout ce rapport-là aussi du toucher ou du. Oui, pauvres eux autres, ils doivent partir présentement. Oui, t'as raison. Dans Hochelaga, ils ont tourné une église sur Ontario, puis ils ont mis des clôtures autour. Ils sont clôturés. Hein? Oui, ouais, la rue est bloquée. Sont clôturés, ils ont une voie au complet, c'est rock'n'roll, là. Ils ont pris le temps de faire ça, puis les gens sont pognés là, c'est ça qui arrive, là, sont clôturés. C'est une espèce, c'est l'église qu'ils ont transformée en refuge pour les itinérants, ils l'ont clôturé, ah ouais. Fait que là, il y avait comme la petite bandade avec le trottoir, puis là, ils ont mis une clôture au milieu de la rue, où c'est que là, ils sont sûrement une cinquantaine, soixantaine là. Ils dorment, je sais pas trop, ils sont beaucoup là, ils sont coupés du monde, il y a des gens qui travaillent là avec des dossards qui régularisent quelque chose, mais c'est sûrement quelque chose de très présent chez les itinérants aussi à Montréal, les problèmes avec le COVID, tu sais. Fait que comme ça sur Ontario, ça fait très peur à tout le monde en fait. Quand ils voient ça, ça vraiment stigmatise les itinérants dans une petite cage à la vue de tout le monde. Fait que là, ils ont mis des petites machines à pinottes à côté, fait qu'au moins on peut les nourrir, c'est vraiment sympathique. C'est super. C'est une bonne idée, mais je sais qu'il y a une couple de restaurants, là, ben, de restaurants et d'organismes là, aussi, là, mais il y a entre autres le Montréal Plaza qui fait des sandwichs pour la Maison du Pain. T'sais, comme ils ne peuvent pas rien faire, ils ne peuvent pas vraiment opérer à part le take-out, il y a bien du monde quand même qui met la main à la pâte. On peut aller faire du bénévolat pour aider à faire ces sandwichs-là, puis à... Il n'y a personne qui... Tout le monde est en sécurité, là, tout le monde est à distance égale, mais c'est ça. Il y a les gens qui ne savent pas non plus quoi faire de leurs 10 doigts puis qui ont envie de faire quelque chose puis qui veulent donc aller au centre d'achat, ben aller faire des sandwichs à la place. C'est tout aussi le fun. J'aurais aimé ça y aller, mais moi, il faut que je cours de longues distances. T'sais. Je comprends. C'est vraiment c'est ça. Chacun ses affaires. Ben gros, là. Ben d'ailleurs, on va terminer ça là-dessus, la gang. Ça fait déjà 1h06 qu'on parle un peu de course. Mais c'est cool qu'on n'ait pas parlé trop de course, pour vrai, parce que c'est vraiment épais. C'est vraiment épais, les gens qui courent trop et qui se compétitionnent contre eux autres, qui arrivent... Tu sais, je repense aujourd'hui avoir les ongles noirs à cause que j'étais allé courir 32 km parce que mes pieds ont trop frappé par terre. C'est complètement idiot. T'sais, OK, là, j'ai quelque chose à te dire d'important. Là, si tu as vraiment les ongles noirs, tu m'envoies une photo de ça, puis je vais l'ajouter en complément quand on va poster le podcast. Mais en fait, là, j'ai tellement couru aujourd'hui que ça fait longtemps que je n'avais pas couru autant de distance. Là. Puis là, je me demande s'ils sont pas noirs, parce qu'il y en a une que je sens comme, genre, tu sais, ma deuxième orteil de mon pied gauche, là, pas le gros orteil, mais l'autre à côté. Là, ben, regarde, vérifie, puis dis-nous le live. On veut savoir. On est sur le terrain comme Jocelyne Cazin. J'ose déranger. Je suis sur le qui-vive, je suis le bout de ma chaise. Parce que c'est celle-là qui devient noire habituellement puis qui tombe, genre, parce qu'il tombe après ça. C'est ton index, donc, de pied qui noircit. Mais elle va bien. Qu'est-ce qui tombe? L'ongle? Oui, mais il est rendu dégueulasse, là, cet orteil-là. Là. Il est pétrifié par les années de course. Là. L'ongle Chuteau est... os! Hein? Monte-les! Tu veux que je monte ça à l'écran, là? Ouais, debout de ta chaise. Ah, mon Dieu, il croche? Oui, ils sont dévissés, mes orteils. Là. Mais t'as même pas les orteils de ballerine. Là. Ça va, là. C'est pas non, si... c'est pas la fin du monde parce que je me crème et je prends le temps de prendre soin de mon corps, Catherine. Tu sais. T'as les orteils très roses, mais croches, ce qui me fait peur pour le reste. Mais bon. Au niveau du pénis? Ah, ben là, c'est peut-être. Mais t'es pas à avoir peur, là. Tu ne dealeras pas avec mon pénis, là. Parfait. C'est pas une peur, là. Développe-la pas, là. Il est sympathique, mon pénis. Là. J'ai pas peur. J'avais juste une petite inquiétude. Mais je te fais confiance. Hey, Pascal, merci. Pascal. Quoi? Merci beaucoup d'avoir été là avec nous sur ce podcast. Merci à vous autres. Je vous aime, vous deux. Beaucoup d'amour. Hein. Vous savez que vous deux, je vous aime. Je vous aime d'amour, vous deux. T'es bien fin, toi. Arrête. C'était très bien. Ben oui, mais c'était... Hey, on est en pandémie. On peut-tu, esti, dire ce qui nous passe par la tête puis se faire du bien? On peut. J'espère que j'ai pas parlé par-dessus tout le monde encore. Tu vois, là, j'ai mes petites craintes. Ah oui, ben... Je n'ai parlé par-dessus personne.
Tu sais, Catherine, on te juge tout le temps beaucoup plus fort que toi, tu te juges toi-même. C'est ça qu'il faut que tu partes avec l'idée ce soir. Oui. C'est tellement le contraire. C'est ça que je le dis. Mais on n'est jamais aussi bon qu'on le croit et on n'est jamais aussi mauvais qu'on le croit. Ça, c'est vrai. On n'est jamais aussi bien jugé que par soi-même. Mais en fait, c'est quand même fucked up. Moi, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Parce que moi, je perds mes cheveux dans la vie, puis je me suis rendu compte que y a des gens, les gens remarquent moins que moi ma perte de cheveux dans la vie. Mm-hmm. Puis c'est parce qu'on voit tout le temps le plus négatif chez nous. J'en sais de ça avec Kat Levac, puis elle, c'est son nez qu'elle aime pas, puis tout le monde est comme, il est bien chill ton nez, mais elle, elle déteste son nez comme c'est pas possible. Ah, là, oui, après, comme, moi, mais j'ai jamais remarqué son nez, je crois. Exactement. Je savais même pas qu'elle avait un nez. Moi non plus, c'est tu me l'attends. Puis après ça, j'ai dit, ouais, mais moi, c'est parce que je perds mes cheveux, puis elle a juste fait, ah, Chris, ben oui, tu perds tes cheveux, mais elle avait comme pas prêté attention à ça parce que c'est pas important dans la vie des gens. De quoi ma tête a l'air tant que ça. Puis si parfois, moi, je me réveille la nuit pour y penser. Là. Mais si c'est si important que ça, c'est juste que c'est peut-être pas des gens avec qui je devrais me tenir. Je sais pas. Mais... Non, mais t'as raison que personne ne remarque ça. Puis en fait, quand on réalise à quel point les gens se crissent profondément de nous, on arrête de s'en faire avec des petites niaiseries. Hey, on pour a vrai. Tellement plus d'importance qu'on en a. Ben oui, tellement. Comme c'est là, ça, là, moi, là, ce qui me préoccupe vraiment, là, c'est est-ce que vous voyez ma repousse? Non! Ah, ben là, un petit peu. Mais là, on la voit parce que tu nous as la crise d'en face, mais même si on la voyait, genre, on t'a pris. Ça ne me préoccupe pas, mais ça m'a fait penser. Mais non, mais est-ce que, ça. Est-ce que vous voyez la mienne, ma repousse? Oh là là! C'est le nono! Tu fais. Oh! Allez, on termine ça là-dessus, ça n'a pas de bon sens, ça fait 1h10 qu'on part. Pascal, c'est merci bien. Pour tout. Bye. Merci Pascal, merci Catherine. Merci pour tout. Bye. Bye, bonne course Pascal Cameron. À la prochaine, on t'écoute. Bye, bon confinement. On écoute Arc. On écoute oui. Arc. Oui, ben Arc, la deuxième saison commence le 10 avril. On a réussi à enregistrer 6 épisodes dans la première semaine de mars. Fait que pendant le confinement, on a des épisodes à donner. Oh, lucky you. Chris, oui. Super, bon. On écoute ça. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit suivre, Pascal? Bien, je vais tout poster ces affaires-là sur ma page Facebook ou Instagram. Fait que abonnez-vous à ces pages-là ou puis ma page YouTube, les épisodes de Arc sont dessus. D'accord. Parfait. Merci, bye, les amis. Cool. Bonne soirée. On va aller courir au parc Laurier.